Ok les amis, ben voilà, c'est parti pour la saison 9. C'est parti. On va voir ce que ça donne. On va découvrir ça ensemble. On va découvrir tout le pass de combat. On va découvrir. On va faire une petite première game tranquillou. Ben voilà, tranquille au calme. On va se faire ça ensemble. C'est une vidéo qui va durer un petit moment, il y a moyen. Donc installez-vous. Mettez-vous bien. Et c'est parti. C'est le blanc ça. D'accord, bon j'ai perdu 3 points d'audition dans l'histoire. Mais en gros, on a vu un peu l'idée. C'est un peu sur le futur donc. On peut voir ça avec des skins futuristes et tout ça. Donc on va s'acheter le pass, hein. Évidemment, on a 1900 V-Bucks. On va quand même checker. Hein, les gars. Ne pas oublier ça si vous voulez vous acheter le pass de combat et que vous n'avez pas encore fait. Alors, découvrons ça ensemble. Bon, ça, ok. Elle. Lui, Sentinelle. Ok, on a plein de livres. Alors, Sentinelle. Qui m'a l'air un peu de choc hein, quand même pour le jouer. Elle, il y a des évolutions aussi. Ouais, voilà. Ok. Ok. Bon, ok, il y a 11 évolutions. Pour pas que ça dure 1000 ans, on va avancer un peu. Hein. Ensuite, deuxième page. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les skins. Oh, il y a des V-Bucks gratos. Lui, m'a l'air tellement stylé. Le blondin fracassé, genre. Ok. Pas mal, ça. Alors, elle, Vega. Ok, qui est un skin évolutif. Dakodak, lui. Oh, je suis pas fan, hein. Ouais. Ok, c'est un skin évolutif, hein, du coup, on le voit. Pendant la game, il change. Bon, bah écoutez, on va voir tout au long de la saison, hein, du coup, ce que ça va donner. Les défis, qu'est-ce qui se passe? Décryptage. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Gagner des XP. Donc, on peut faire que quelques trucs. Atteindre le palier 40. Ok, moi c'est la map hein, que je me languis découvrir. Je sais pas s'il y a eu de gros changements. Oh, tous ces skins évolutifs. Ouais, elle, je l'ai pas fini encore. Ah, là, ils ont mis le paquet hein, sur ce genre de skin. Ok, bon, le pass de combat, je sais pas. À voir. À voir, il y a pas beaucoup de skins qui m'intéressent. Et on va se lancer dans la première game. Allez, ah, c'est parti pour la première game. Le but, c'est vraiment de découvrir ensemble. On va essayer de rester en vie quand même. Il y aura certainement pas tout dans cette vidéo. C'est obligé parce qu'on peut pas tout découvrir, tout comprendre d'un coup, sinon la vidéo durerait 3 heures. Oh! Il n'y a pas eu le lobby. J'ai pas eu le lobby, d'accord. What the fuck? Ok. Holy shit. C'est quoi ces tubes là? C'est quoi ce. On va aller dans un endroit. C'est quoi ces tubes? On va aller là. Hein. On voit ça.
qu'on voit son cul. Ah non, je crois qu'on voit son cul quoi. On va essayer d'aller sur une espèce de plateforme comme ça, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ok, il y a des armes. Il y a un coffre aussi. C'est quoi ça? Ok, bon. C'est quoi ce truc là? Je crois qu'on va relancer parce que là... Oh my god. Oh my god, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ouais, j'ai fait un peu de la merde. Mais là, en fait, il y a beaucoup de changements, non? Fusil à pompe de guerre. Tirez vite et souvent grâce à la précision et à la cadence de tir de mon fusil à pompe. Ah, et oui, il le fallait, hein. Il le fallait, hein. Un tactique légendaire, genre. Obligé. Ok, bon, bah voici le nouveau lobby. C'est pas mal, c'est cool. Hein. Bonne idée de changer de lobby à chaque saison. Ok, bon, ben on va essayer d'aller ailleurs du coup. On est allé dans cette. Sur ces espèces de plateformes. Bon, on n'a pas pu trop tester. J'aimerais bien rester en vie un peu plus longtemps cette fois-ci. On fait quoi? On essaie Tilted. Qui s'appelle Neo Tilted. Attends, mais ça a changé du coup même sur la carte. Neo Tilted et Mega Mall pour Retail Row. Ok, je sens qu'on est 100 000 à Tilted. C'est pas le bon bail. En effet, c'était peut-être pas le bon bail. Ok, l'horloge et tout. Ah, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Ok, bah écoutez, je sais pas où je vais. Ouais. Ah, c'est des palettes de fer. Trop bien. Il y a des grenades, elles sont de retour. Ok, bon. Au moins, on découvre un peu tout, hein. C'est, faut voir le bon côté des choses, hein. On a vu un petit peu Tilted. Moi, j'ai envie de voir les tubes, là. Comment ça marche. Le bloc. Ça fout un peu, je pense. Peut-être checker Retail. Mais c'est pareil. Genre, si je me fais spawn kill à chaque fois, là, on va pas le faire. Bon, vas-y, on va aller à Retail. Enfin, du coup, à Mega Mall. Allez, go à Mega Mall. Sans jeu de mots, les gars. Paradise, ça a pas changé. Pas l'impression. Bon, je vais à la Mega Mall. Tranquilux. On peut remercier tous ces joueurs hein, qui nous spawn kill. Comme ça, on teste plein de trucs. C'est super cool. Oh, ça a été changé. C'est quoi du coup ce truc? Ok. D'accord. Vas-y, ça a fait. D'accord. Il faut rester appuyé. Bon, on reste appuyé sur avancer, ça nous fait un petit truc. Ok, les gars, bah écoute, hein, on va faire des tours, hein. Ça nous mène où ça? Ah, y'a un qui me tire dessus. Vas-y, je vais trop vite pour toi. Aïe. Non, bah du coup, on peut se faire tirer dessus. Aïe, y'a un mec. Non. Et non, je vais encore me faire tuer. Aïe. Ouais, n'empêche les gars, ça c'est une vidéo complète, hein. Je veux dire, on a testé la nouvelle arme direct, on a découvert Tilted, le Neo Tilted, on a découvert Megamol, on a découvert Megamol en anglais ça passe, en français c'est un peu moyen quoi. On a découvert les tubes là, les tubes qui te permettent de rotate, ça va être ça va être plébiscité par la communauté, c'est sûr et certain. On a pu voir la nouvelle pioche double main là, grâce à ce gentil poisson. Voilà. Voilà.
Donc, quand même, franchement, je sais pas si vous aurez une vidéo ailleurs sur YouTube aussi complète que celle-là. Là, on a tout vu en l'espace de quelques minutes. Bon, on a vu les plateformes aussi, machin, on a vu plein de trucs. Est-ce qu'on n'irait pas à checker les ballons là? Je pense qu'ils servent à rien ces ballons. Attends, mais du coup, ça veut dire que tu peux faire le tour de la map tranquille là? Avec les hydroglisseurs, enfin avec le tube là. Ah ouais, il y a le volcan aussi, bah go volcan. Voilà. Vas-y, on va aller au volcan maintenant. Découvrir ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se trame? Là-bas. Qu'est-ce qui se trame? On va essayer de faire une partie un peu quand même, pour essayer de rester en vie. Cette fois-ci. Et puis voilà. Ok. Vas-y, mais c'est quoi ces ondes pétées là? Visiter les plateformes aériennes. Ok, donc j'entends. Vas-y, toi, je te crève. Bon, du coup, on peut leur tirer dessus. Il y a des coffres dans ces plateformes, faut juste savoir où ils sont. Un là. M'emmerde pas, toi. Vas-y, ouais, dégage. Par contre, c'est des spawns. En gros, ils sont vachement OP hein, parce que tu as une vue, tu peux bouger de n'importe où. On va aller checker Pleasure Prince. Let's go. Ok, y'a qu'à faire ça. D'accord, y'a la lave. Encore au milieu, là y'a un petit. Wesh. Petit pompe, je crois. Je l'ai vu où? Ah non, c'était pas une pompe du tout. Ah! Un peu super bien accueilli quand même, non? Ok, donc Pressure Plants. Vas-y, dégage avec ton arc. Donc, du coup, il y a toujours l'arc, hein. Voilà, les gars, vous avez un maximum d'informations dans cette vidéo. Vous verrez, les gars. Hein. Allez checker sur YouTube. Aucune vidéo est complète. Par contre, what? Ouais, du coup, on voit qu'il m'a mis des masses de dégâts là. Crève, veux-tu? Yes! Comme ça, on a le nouveau pompe. MRC, hein. Merci de bien avoir voulu crever. Alors, on va se mettre un petit campfire. Voilà. 143 DPS. Dégâts 77. Ok. D'accord. Donc 77 dégâts. Je sais pas comment il fait le tactique. Je m'en rappelle. J'ai jamais regardé en fait, je crois. Bon, en tout cas, merci pour le. Comment il s'appelle? Le pompe. Le fusil à pompe de guerre. Ah ouais, celui-là. Bim. Et merci pour l'arc aussi. Ça nous donne. Oh, il y a encore des geysers du coup. Ok. Bon, tu vas me dire, c'est plutôt logique qu'il y ait des. Il y a 10 balles dedans. Ok. Il y a 10 balles à. Ouais, bah ouais, c'est ça qu'il fallait pour rendre le tactique OP. Hein. En vrai, prendre, il m'a l'air de mettre 8 ans à le dégainer. Il m'a l'air assez précis, le réticule est petit. J'ai la zone, c'est vrai. Oh, le petit tas de palettes. Eh, c'est peut-être un bon petit spawn ici, hein, je sais pas. Ouais. A pleasure plants. What the fuck. Vas-y, viens. Ah, y a, bah, du coup, il y a des boules encore. J'espère qu'il va pas m'attaquer. Ok.
Vas-y. Vas-y, faut que je me casse loin là. Bon. On essaie de rester en vie pour vous montrer le plus de choses possible, les gars. Allez, vas-y, la carte là. Enfin, la trousse. Putain, j'ai n'importe quoi. Ah, bah attendez. Je vais aller checker vite fait. Regardez, les gars, je prends tous les risques. Alors, ça. 75, 77. Ouais. Du coup, c'est bel et bien l'évolution, hein, si vous posez la question. C'est vrai que ça manquait clairement de. D'un auto légendaire. Enfin, épique et légendaire, quoi. Tout simplement. On va essayer de prendre ce truc là, pour. Pour faire un World Eats. Il y a. Du coup, il y a les distribs encore qui sont gratos, on vient de le voir. Alors. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut build? Comment ça marche? Je pense que ouais, c'est pas free, genre faut build un peu pour y aller. Il y a quelques endroits qui ont l'air d'être free, on va voir. Est-ce que je peux y aller d'ici? Yes, j'aurais peut-être fait une connerie, hein, mais le truc c'est que. Ah, on va changer de sens. Salut! Bon, ça c'est vraiment pas mal du tout. Si je me fais buter là-dedans, je pète un câble. Vas-y, j'ai même pas pu tester mon putain de pompe là. Y'a quoi là-bas? Vas-y, je vais aller là. Vas-y, nouveau spawn incroyable. Bref, bon, je me suis pris le pire truc que je pouvais me prendre en vrai. Hein. Bah écoutez les gars, je pense que ça c'est la dernière game parce qu'on a quand même vu pas mal de choses. Hein. On a quand même vu pas mal de choses. Y'a pas eu du gros GG on va dire dans cette vidéo, mais au moins on a découvert, c'était l'objectif. De découvrir. Donc on a découvert. Ok, ça c'est la le petit palace là de Richu. Ok, enterré là, très bien. Ok, des armes, d'accord. Donc on a un auto bleu. Très bien. Le sol est en bois, logique. Ah, coffre. Yes. Donc on le trouve dans les coffres. Oui, c'est logique. C'est épique. Bon, c'est un petit spawn tranquillou du coup. Nouveau spawn. Je sais pas s'il y a besoin. J'aimerais bien vraiment tester cette arme sur un joueur. Plus que ce qu'on a pu tester. Ok, on va prendre ça. Ça. Même s'il y a un chasse, je le prendrai pas, le gars. Vraiment, l'objectif c'est de tester l'arme. Je sais pas s'il y a besoin d'une SMG ou pas. J'ai pas envie de tester la blanc là en fait. La zone, ok. Je suis un peu perdu. La maison a l'air vraiment immense. Hein. Je l'ai un peu loot à l'arrache, hein, je la connais pas, mais bon, on verra peut-être plus tard. Hein. Ça m'a l'air d'être un. What? 111! 111 pire le merdier là? Ah ouais, d'accord. Bon, je pense que ça a changé très vite ça. Ok. Ah bah. Bon bah, on a un peu checké tout ça. 17. Ok, la noix de coq. La noix de coco. Let's go, on a fait tout ça. Tout ça on l'a fait aussi. Ça c'est la grande. Ok, la grande place. Enfin, la grande salle quoi. Vas-y, ben, on va bouger. Hein. Il y a encore des failles du coup. Portatif du moins, ça c'est sûr. Vas-y, le mec, en... il y a des failles fixes aussi du coup. On va checker ça. Je vais voir ce que ça donne si je fais ça. D'accord. Je
Ok. Bon. On a fait le petit move. Ouais, c'est pas possible, c'est pas obligé d'y aller en overbird. On va prendre ça, on va virer ça, on va prendre ça là-bas, évidemment. Tac. Tac. On se met dans les meilleures conditions pour faire un kill, les amis. Est-ce que c'est possible de se réenvoler loin? Je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Hein. Ok, d'accord. Donc là on peut rota où on veut avec ça, c'est ça le délire. C'est... Ah ouais non mais celui-là c'est celui de retail. Enfin... Méga molle. Vas-y, je vais aller me fighter. Hein. Tester le pompo. Yo! Bah du coup les amis voilà on va je stoppe cette petite vidéo là-dessus, cette petite vidéo découverte. Donc bah, on a quand même découvert pas mal de choses. Bon après voilà niveau gameplay ça n'a pas été trop ça. Mais au moins voilà, vous avez là de la vraie découverte. Et bah, beaucoup de changements du coup, nouveau Tilted, donc Neo Tilted, nouveau retail Mega Mall. Les déplacements dans les tubes, le nouveau pump, on a vu tout ça. Enfin, je pense qu'on a les plateformes aériennes, le nouveau volcan, on a vu vraiment beaucoup de choses. Ça a été l'avantage de mourir souvent. Après, bah, ça sera à voir bah, sur la durée, voir ce que ça va donner. Hein. Évidemment, d'appréhender tout ça un peu mieux. Enfin, en attendant, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment de la découverte, quoi. J'espère que ça vous a plu et puis en attendant le top 1, ciao guys!